Le numéro 30, Eléos de la Brunie, 29,46% de son gloire, représenté par Jacques, la petite Brunie approche à Pompadour. La fille de Fairplay du Pécos, c'est Altica de la Brunie par Sumotica du Dent. Alors, Fairplay du Pécos, on va en parler il y a quelques instants, hein, parce que c'est le frère de Franck du Pécos, le champion. Champion, lauréat du Grand Prix de Gloire à Valenchon, entre autres. Et Altica de la Brunie, donc c'est une Sumotica, c'est la sœur de Iris de la Brunie, Manon de la Brunie, donc là, sœur aussi de Duc de la Brunie, Terence. Référence sur les obstacles, Duc de la Brunie, qui font 11 victoires, donc un succès dans le prix Rivoli à Hauteuil. On va pouvoir marcher. Voilà, gagnant en Hauteuil, c'est quand même tout un symbole, grande réussite pour ce succès de Duc de la Brunie. Nous avons aussi un succès bien connu, je n'ai pas parlé tout à l'heure, sur le qui nous aussi gagné l'obstacle. Toutes les Angloires à Bakou, pour l'île ici même. Pas enfin, ici, non, c'est l'hippodrome de Pau. L'épreuve qui a été remportée par Conan Doyle en Argentine pour les jeunes chevaux sur les mêmes. Voilà, Altica de la Brunie, la mère a gagné. En obstacle, et je présente ici son deuxième produit, une femelle de Raquel Portado qui s'appelle Death de la Maison. On y retrouve maintenant. Et il y a un update, me précise Xavier Thomas de Moult, entraîneur fameux d'Angloire. Ah bien, un update important, puisque premier produit d'Aise de la Brunie, depuis l'apparition du catalogue, s'est imposé en débutant donc sur l'hippodrome de Dax. Merci à Xavier qui nous a...